Lundi 10 août 2020. Dieu, viens à mon aide. Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, 10 août 2020, lues par Paulette Modino, sœur de Notre-Dame des Apôtres, Marcel Kwame Bedegbe, diacre de la Société des Missions Africaines, et commenté par Mathias Redacor, père de la Société des Missions Africaines. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 10. Frères, rappelez-vous le proverbe « À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours tout ce qu'il vous faut, et même
que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de bien. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu, qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine. Il la multipliera et donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répétez après moi le refrain du psaume 111. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. Homme de justice, de tendresse et de pitié, à pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur, il aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu.
Nous faisons aujourd'hui mémoire de Saint Laurent. Les textes que nous venons de méditer disent tout ce qu'il faut retenir de ce brave homme de foi. Saint Laurent était un homme de bien, comme le dit le psaume, et il a tout partagé. Saint Laurent a su distribuer aux pauvres les biens de l'Église avec une générosité sans pareille. Frères et sœurs, apprenons de Saint Laurent à être généreux, à être de bons gérants des biens que Dieu nous confie. Un proverbe kotokoli dit, « Celui qui donne ou celui qui a la main ouverte a toujours la bouche pleine. » C'est d'ailleurs ce que Saint Paul nous enseigne dans la première lecture. À semer largement, on récolte largement. Saint Paul poursuit en affirmant que Dieu aime celui qui donne joyeusement. Frères et sœurs, soyons généreux et nous verrons la bonté du Seigneur même dans les moments les plus difficiles. C'est ce que Saint Laurent a compris en optant pour les pauvres. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit Jésus. Saint Laurent a suivi les pas de Jésus en donnant sa vie aux autres, en étant un humble serviteur. C'est là le rôle ou le devoir du diacre. Frères et sœurs, accepterons-nous d'être serviteurs jusqu'à verser notre sang comme martyrs? La fête de Saint Laurent nous apprend à mourir en nous-mêmes afin de vivre pour le Christ et nos frères et sœurs. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. À travers cette image que Jésus nous donne, nous sommes tout simplement invités à savoir nous dépenser généreusement pour les autres. Ainsi faisant, nous serons honorés du Père et être là où est entré notre Maître qui a su donner sa vie pour les autres. Saint Laurent, prie pour nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.